Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un thème fascinant, la papauté d'Avignon. Si Avignon est célèbre pour son fameux palais des papes, la période durant laquelle plusieurs souverains pontifes ont résidé sur les bords du Rhône est assez mal connue du grand public. En quelques minutes, je vais essayer de vous expliquer pourquoi en 1309, le pape Clément V s'installe à Avignon, cité qui devient dès lors pour quelques décennies le centre de l'Europe chrétienne. Au tout début du XIVe siècle, la papauté est en perte de vitesse face au pouvoir montant de certains chefs politiques et en particulier du roi de France Philippe le Bel. En outre, la ville de Rome est en proie à des émeutes incessantes qui poussent les papes à s'en éloigner et à changer fréquemment de lieu de résidence. En 1304, suite à la mort du pape Benoît XI, les cardinaux se réunissent en conclave à Pérouse. Et après plusieurs mois de débats houleux, ils choisissent un homme de compromis, Bertrand de Gaulle, archevêque de Bordeaux, qui devient pape sous le nom de Clément V. La tâche majeure de Clément V est de désamorcer le conflit latent qui oppose la papauté à Philippe le Bel. Pour ce faire, il se rapproche du royaume de France en s'installant temporairement à Avignon, terre du comte de Provence, lieu sûr à deux pas du comtat venaissin, qui était déjà une propriété effective de l'église depuis 1274. C'est là qu'il prépare le fameux Concile de Vienne, qui a lieu en 1311 et 1312, et au cours duquel est satisfait le principal souhait de Philippe le Bel, à savoir la dissolution de l'ordre du Temple composé de moines soldats et constituant un contre-pouvoir important au roi de France. En 1316, 2 ans après la mort de Clément V et un conclave encore très agité, un nouveau pape est élu. Il s'agit de Jacques d'Huez, qui choisit le nom de Jean XXII. Ancien évêque d'Avignon, c'est sans surprise qu'il décide de rester dans cette ville qu'il connaît si bien. Une administration pontificale sédentaire et efficace se met en place, une culture de cour voit le jour, le retour à Rome est reporté sine die. Le successeur de Jean XXII, Benoît XII, entreprend la construction du Palais des Papes, un bâtiment gothique exceptionnel, à la fois forteresse, monastère et palais de résidence. Et en 1348, le pape Clément VI, qui poursuit la construction du palais, achète la cité d'Avignon à la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence. Les papes sont désormais maîtres du comtat venaissin et d'Avignon. Depuis cette terre papale, on peut percevoir les prémices de la Renaissance, avec en particulier la pratique du mécénat par certains prélats et la présence de Pétrarque au milieu du XIVe siècle. Après les règnes d'Innocent VI et d'Urbain V, c'est finalement Grégoire XI qui décide du retour de l'administration pontificale à Rome en 1377. À sa mort, un an plus tard, un nouveau pape, Urbain VI, est élu. Mais cette élection est contestée par une partie des cardinaux qui se réunit en conclave à Fondi et choisit un autre pape, Robert de Genève, qui devient Clément VII et reprend la route d'Avignon avec ses fidèles. C'est le début du grand schisme d'Occident qui dure jusqu'en 1418. Pendant cette période, deux papes coexistent, un pape à Rome, soutenu en particulier par l'Angleterre, l'Italie du Nord et la Pologne, et un pape à Avignon, soutenu par la France, le royaume de Naples et leurs alliés. Ces deux papes sont eux-mêmes concurrencés par un troisième à partir de 1409. Les deux papes avignonnais ayant régné pendant le grand schisme d'Occident sont aujourd'hui considérés comme des antipapes par l'Église catholique romaine. On peut donc retenir que 7 papes ont réellement résidé à Avignon au XIVe siècle, qu'ils ont créé une administration puissante et efficace dont se sont inspirées les entités politiques voisines pour fonder des états modernes. Et pour clore cette vidéo, il faut quand même préciser qu'Avignon et le comtat venaissin sont restés propriétés des états pontificaux jusqu'à la Révolution française. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce bleu en bas de l'écran, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote qui ne manquera pas de vous surprendre.